Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire un try on haul spécial maillot de bain. Puisque l'été approche à grands pas, du coup on s'est dit qu'on allait faire un try on haul spécial maillot de bain. Comme ça en plus ce sera l'occasion de vous faire découvrir quelques maillots de bain de chez Shein. Et donc par contre moi j'en ai pris que deux. Donc parce que moi en fait je m'étais déjà fait une commande, je m'en étais déjà acheté, puisque comme je vous ai dit, des fois nous, même souvent, même si on a des partenariats avec Shein, on peut pas s'empêcher de faire des commandes quand même. Donc j'avais déjà commandé quelques maillots de bain chez Shein, du coup j'avais pas besoin d'en prendre beaucoup dans ce try on haul, mais j'ai pas pu résister, j'en ai quand même pris deux. Du coup pour moi il y a deux maillots de bain que bien sûr je me sens pas encore à l'aise avec mon corps, donc malheureusement moi je ne défilerai pas, il y aura que Yann qui défilera, puisque moi je me sens pas à l'aise de vous montrer comme ça les maillots de bain portés sur moi et défiler tout ça. Je me sens pas encore prête à faire ça, donc je vous les montrerai juste comme ça à la caméra, les détails, tout ça. Je vous montrerai quand même bien le maillot de bain, quoi, parce que c'est un peu le but. Mais sinon c'est Liane qui défilera avec tous ces maillots de bain, parce que franchement les maillots de bain chez Shein, il y a beaucoup trop de choix. C'est comme leurs vêtements, les maillots de bain ils sont magnifiques. Donc voilà, Liane elle a eu beaucoup de mal à choisir, mais elle en a quand même choisi, du coup elle a quand même réussi à faire sa petite commande. Et sur ce, je vais arrêter de blablater et on va tout de suite découvrir les maillots de bain. Donc on va ouvrir le colis. Regardez le paquet. Voilà, ça se présente comme ceci. Parce qu'en fait souvent les paquets des maillots de bain Shein, ils sont un peu différents des paquets normaux de vêtements. Ça. Tu choisis ça pour commencer. Ok, regardons. Alors moi, faut savoir que je sais pas ce que Léane a pris en maillot de bain. Enfin, j'ai vu vite fait, mais pas tout. Du coup, je vais découvrir en même temps que vous ce qu'elle a choisi. Oh, attends, tu peux te tenir ça parce que... Ouais. Bien. Comme ça, toi, tu montres le bas. Oui. Je sais même pas si Léane entend pas. Non, il est comme ça, ma vie. Ok, donc, premier maillot de bain, elle a choisi ça. Ça fait un peu, comment dire... tu sais, un peu les arbres là qui sont à la plage et tout. Des palmiers. Oui. Mais là, oui. Palmier et voilà, enfin ça fait très ambiance été et j'aime bien ici ce que ça fait là. Je sais pas si vous voyez bien parce que de près ça fait peut-être pas pareil que de loin, mais vous voyez de près ça fait ça. Ouh, franchement il est grave stylé. Donc du coup Léane elle va l'essayer et vous faire son défilé. Voilà, donc franchement pour un premier il est canon, franchement j'adore. Moi j'aime surtout c'est ici les détails des petites lignes ici, que ce soit pour le bas ou pour le haut. Et aussi comme vous avez pu le voir quand elle a défilé là, son bas ça fait comme un short. Donc franchement j'adore ce genre de maillot de bain. Donc pour un premier déjà il n'y a rien à dire, il est magnifique. Donc franchement du coup je valide à 100% ce maillot de bain, il est parfait. Et toi aussi du coup. Oui. Parce que après, ça se pourrait qu'en le recevant, que tu le valides pas, mais franchement, là, non, je valide. Donc là, j'ai hâte de voir ce qu'elle va choisir pour number 2. Bon, je pense qu'il a un peu envie de sortir. C'est clair. En plus, là, c'est du rouge. Ça va faire beau, hein. Ouais. Je sais même plus c'est quoi. Hein. Ah, super. Par contre, ils croient tous qu'on a des gros boobs ou c'est moi. Ah, sûrement tu dis ça entre nous. Mais non, mais c'est vrai, regardez. Bon, après, c'est bien pour ceux aussi qui en ont pas beaucoup, comme ça, ça fait push-up. Il y a des petits traits. Et ah, j'aime trop les maillots de bain comme ça aussi. Je sais pas comment expliquer, mais de toute façon, vous voyez, mais ça fait ça, du coup, un peu, on voit la peau ici et j'adore les bas comme ça. Et du coup, pour le haut, j'ai oublié de vous montrer avec tout ça. Attendez, parce que c'est la galère. What? Bah, ah ok, c'est comme ça. Et ça va derrière donc. Ouais. Ok. Ok, d'accord, donc vous voyez le haut tout aussi canon que le bas. Ça va être vachement joli, hein, regardez. On dirait une fourmi.
Donc, du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur Léane. Donc, elle va l'essayer ou faire son défilé. Et donc voilà pour ce joli maillot de bain. Donc bon, il est légèrement grand puisque c'est du S. En fait, en maillot de bain chez Shein, la plus petite taille souvent c'est du S. Bon, parfois il y a quand même du XS, mais c'est plus rare, ils font plus du S. Donc bon, forcément, Léane, elle le voulait quand même trop ce maillot de bain, donc elle l'a quand même pris, mais du coup en S. Donc c'est pour ça que c'est un peu grand. Bon, le bas en vrai il est pas grand, je trouve, c'est plus le haut. Mais après, comme j'ai dit, je crois que chez Shein ils croient tous qu'on a des gros boobs. Donc voilà, mais Léane, elle a que 12 ans, elle va pas avoir des boobs comme ça. Donc voilà. Donc bon, c'est pas grave, hein, c'est qu'un détail. Et puis voilà quoi, ça n'empêche pas que malgré tout, le maillot de bain est magnifique. Déjà rouge, ça flash, c'est une couleur très belle, surtout en maillot de bain. Et comme j'ai dit, moi j'adore, c'est ce détail là sur le bas. J'adore les bas comme ça où on voit un peu la peau, genre sexy. Ok, donc moi franchement je valide ce maillot de bain, même s'il est un peu grand, on s'en fiche, c'est la, comment il est, la forme et tout, je valide. Et toi? Oui. Ok, donc c'est parti pour choisir le troisième maillot de bain. Le Pofco, j'avais pas. Tu prends ça? Bah c'était juste là du coup, bah ouais. Rose. Ça va être beau aussi ça, hein. Ça change parce que là j'ai l'impression qu'elle a pris beaucoup de couleurs parce que j'ai vu du jaune aussi. Donc là on va avoir vraiment du coloré et tout, ça fait bien vacances, été. Ah, oh. Et ça se prend, oui comme ça, j'allais le prendre à l'envers. Oui. Ah ouais, avec les froufrous et tout. Ah, waouh, il est trop joli. Franchement j'adore. Donc c'est parti pour l'essayage et le défilé. Voilà pour le défilé. Donc franchement moi j'adore ce maillot de bain, il est trop joli. Déjà comme j'ai dit là, les froufrous j'adore, et du coup là ici vous faites un petit nœud puisque quand on vous l'a montré, vous savez il était encore pas serré, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais du coup quand vous faites le nœud il se resserre et ça fait encore une plus jolie forme, et ça fait bien la forme quoi d'un haut de maillot de bain. Donc vraiment très joli, donc moi je valide, toi aussi? Oui. Ok. Donc là suivant, bon par contre on va tout sortir parce que ce sera plus facile. Parce que sinon on n'est pas sorti si à chaque fois faut qu'on attrape un maillot de bain. Du coup bah là t'as le choix. Hein. Mmh. Ah. Mmh. Oh ah, il est beau. Ah puis le haut est original, je trouve, enfin je veux dire la forme, je sais pas comment expliquer. Regardez. Ça fait très... on dirait juste un trait comme ça. Poum. Donc, et puis le bas, la forme elle est simple, mais le motif il est original. Ça fait un mélange de galaxie et de marbre, mais en doré. Donc c'est original. Donc elle va l'essayer faire son défilé. Thank you.
Donc voilà pour le défilé de Léane. Donc franchement, ce maillot, il est canon. J'adore les motifs, même si pour vous c'est peut-être simple, mais je sais pas, je trouve que ça fait très original en doré comme ça sur du noir, ça fait très joli. Et en ce qui concerne la taille, du coup, j'ai oublié de vous dire, pour l'instant, on a que du XS sauf du coup le rouge qui est un S, mais du coup lui, bah, c'est un XS et ça lui va très très bien. Et franchement, je valide à 100%. Et toi? Bien sûr. Ok. Donc, maillot de bain suivant parmi tout ce choix. Alors moi, je savais pas quoi choisir. Ah. Ça m'a donné ça. Ah ouais, moi aussi, j'adore ce que ça va donner. Déjà, je sais pas comment il est, mais... Bah, il est... Là, ah oui, ça. Oh, ça fait Barbie. Ouais. On se croirait pas dans Barbie un peu. Bon, la forme est simple, mais on s'en fiche parce que même les maillots de bain simples sont trop beaux. Et la couleur, on en parle. Elle est super flashy. Donc, j'ai hâte de voir ça sur Léane. Donc, elle va l'essayer, faire son défilé. Donc franchement, oh, j'adore, il est trop trop joli, même si comme j'ai dit la coupe est simple, mais franchement la couleur elle est super flashy, puis non franchement il est super joli, franchement j'adore. Et juste petite parenthèse, c'est par rapport à la caméra, si vous voyez une petite tache d'ailleurs, je sais pas si vous la remarquez, des fois on la voit un peu moins, des fois on la voit un peu plus, ça fait au moins 4 ans. Malheureusement qu'on a cette tâche qui ne part pas du tout. C'est depuis que, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, quand on avait été à la mer de sable, bah on pense que c'est un grain de sable peut-être qui s'est mis dans la caméra, mais vraiment dedans, du coup vous pouvez pas aller le chercher en fait, et du coup bah c'est coincé dedans. Donc si jamais vous remarquez cette petite tâche, bah voilà c'est ça, mais c'était juste une parenthèse au cas où. Mais en tout cas moi je valide à 100% ce maillot de bain super flashy, et du coup pour la taille c'est du XS. Donc voilà, c'est pour ça que ça, là ça taille bien, parfait. Donc tu valides aussi? Oui. Ok. Maillot suivant. T'as du choix. T'as trois marques, j'en prends un voisin, on verra c'est quoi. Ouais. Ok, donc. C'est quoi celui-là? Non mais. What? Bah attends, logiquement ça devrait. Alors en fait, il y a une bretelle en bas et une bretelle en haut. Comment on est censé savoir? On le met comment? Comme ça? Mais what? Non, je pense que ça doit être un système de genre vous le tournez, enfin ça va être un truc comme ça, mais ça. On verra bien. Non, parce que là, du coup, il y aura en bas. Parce que du coup, la culotte, je sais même. Oh, pff, non, mais je connais aucun sens de rien. Ah, c'est moi, mais, attends, ça c'est les fesses. Ok, donc bon, la culotte, elle a la coupe simple de la culotte, mais c'est bien, c'est que derrière, au moins, c'est. Vous savez, on prend pas des maillots de bain où le derrière il est vraiment fin, on veut pas ça, nous on veut vraiment que ce soit bien rempli. Et pour le haut, bon, on verra, du coup, bah elle va l'essayer faire son défilé. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide. I can help you out. I can help you out.
Donc voilà pour les deux défilés de Léane, parce qu'en fait du coup pour le premier, du coup on vous a bien montré le maillot de bain, donc le haut avec le bas. D'ailleurs comme vous avez pu le voir, le haut, on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas une bretelle en haut et en bas hein. Voilà, c'était bien comme ceci en fait, ça fait une manche et voilà, et j'adore d'ailleurs. Et ensuite pendant que Léane elle faisait son premier défilé, j'étais en train de regarder un peu les maillots de bain et je me suis souvenu qu'elle avait pris une jupe de plage, parce que je me souviens ça qu'elle me l'avait dit qu'elle en avait pris une. Donc je me suis dit qu'elle pouvait enchaîner sur un deuxième défilé avec la jupe de plage qui est noire et que du coup ça irait bien avec le haut. Donc voilà, c'est bien une jupe de plage, hein, c'est pas une jupe tout court, donc c'est pour ça que, enfin voilà, c'est pour mettre avec un maillot de bain quoi. Et franchement ça fait tellement joli, genre ça fait tellement canon, puis que là c'est fendu et tout, oh, non mais je suis une love de ce maillot de bain là et de la jupe de plage. Donc franchement là je valide même à 200%, parce que là pour l'instant c'est mon préféré ça. Et du coup toi tu valides? Bien sûr. Ok, donc c'est parti pour le maillot suivant, j'ai hâte de voir. Bah on reprend un wassard. Encore un noir? Ouais, parce que les noirs on voit pas trop c'est quoi du coup. Bah je me souviens même pas ce que j'avais pris en fait. Ouais, comme ça on va voir un peu. Je tiens toujours les culottes moi. Ah ok, oui j'avais pas compris. Oh c'est canon. Ok, donc pour le haut ça fait un nœud au milieu. Et les bretelles qui sont en frou-frou, c'est magnifique. Bon, Léana va pouvoir essayer ça et vous faire son défilé. Ok, donc ce maillot de bain, je suis in love. Je crois là, c'est pour l'instant, c'est mon deuxième préféré, parce que honnêtement, celui-là, j'adore. Surtout le haut, quoi. Le haut, trop beau, quoi. Donc je valide carrément. Et toi? Oui, pareil, forcément. Donc là, il lui reste soit du jaune, du bleu, du rouge, et encore du noir. Ouais, je vais essayer le bleu. Bleu? Oui. Moi j'en ai pris un aussi de maillot de bain bleu, enfin je veux dire que j'ai acheté déjà il y a un moment, mais oh, j'en ai un bleu aussi. Ok, donc en fait le truc bleu, ce n'est pas un maillot de bain, c'est comment on appelle ça? Un pareo. Ah merci, j'avais oublié. Un pareo, comme vous pouvez le voir, très joli, regardez la coupe du pareo et tout, et là un petit nœud. Et du coup, Léane a décidé de mettre le pareo avec ce maillot de bain, c'est ça? Oui. Puisqu'il est bleu, il est bleu. Oui. Ok, enfin bleu. Bleu et blanc, et puis c'est pas un bleu aussi flashy que le pareo, mais c'est bleu, donc... Bon, par contre, elle veut défiler en dernier avec ce maillot de bain là, donc je sais pas pourquoi, hein, mais elle a dit qu'elle voulait défiler en dernier avec. Donc ce sera le dernier, donc c'est pour ça qu'on va mettre ça de côté pour l'instant. Et du coup, il lui reste ces trois là, donc noir, jaune, rouge. Noir, ça. Ok, on finit avec les couleurs pour la fin. Là, on va encore sur du noir. La culotte c'est un peu, ah non pas comme celle-ci mais une autre que t'avais, non? Comme ça. Et le haut, ah oui, et derrière il y a, ça se ferme comme ça avec des petits crochets en or. Ouais, ouais, donc très joli aussi. Donc c'est parti pour l'essayage et le défilé. Du coup voilà pour le défilé de Léane avec ce joli maillot de bain. Bon, il est simple, mais comme j'ai dit, des fois il y a des maillots de bain simples qui sont très jolis, oui, malgré tout. Et puis en plus c'est bien, c'est que du coup vu que c'est du XS, ça taille très bien. Et ouais, le haut il est parfait. Au moins là c'est pas que pour les gros boobs. C'est-à-dire que ça peut aller à tout le monde, même moi.
Et ouais, du coup, bah, je valide ce petit maillot de bain et toi? Oui. Ok. Donc là, il nous reste que des couleurs, du rouge, du jaune et du bleu. Enfin, le bleu, c'est en dernier, donc là, rouge. Oui. C'est la culotte, ça? Oui, probablement. Oh! Quoi? Elle est trop belle! Montre. Oh oui! J'avais pas fait gaffe. T'avais pas fait gaffe? Sérieux? Et le haut? Ah ouais, avec des... Il y a qu'une bretelle, c'est ça? Ouais, et un froufrou. Et le bas, ça fait comme une ceinture. Waouh! J'adore! Et c'est du XS? Y a pas écrit... Ah non, c'est du S. Ah, non mais les maillots de bain rouges, décidément, c'est tous du S, ma parole. Mais bon, celui-là, de vue, il a l'air déjà un peu mieux, enfin un peu mieux, je veux dire, niveau taille, que l'autre rouge, après avoir. Mais bon, elle va l'essayer et faire son défilé. Trying to get ahead of the sunset. Haven't really made up my mind yet. But it's alright. We don't even know when it's sinking. Then gravity hit, we were falling. It's just one night. Time and space, they lose their place. Staring in your eyes, in your... Ok, donc comme j'avais dit, c'est un S, mais là pour un S il taille bien, je trouve. Donc il est super joli, le haut j'adore, le bas bah, pareil, j'adore la ceinture. Après je pense que vous pouvez faire comme vous voulez, c'est pour la ceinture si vous la rentrez ou pas, mais là ça a pas l'air d'aller jusqu'au bout, mais bon. On peut tirer. Ah oui, donc après c'est au goût de chacun, soit vous pouvez la laisser pendre, soit vous pouvez la mettre comme ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ce bas est très joli et moi je valide. Et toi? Oui. Ok. Et du coup, bah là, c'est le jaune. Ça? Oui. Parce qu'on finit par le bleu? Oui. Donc, qu'est-ce que c'est? J'ai toujours rouge que la ceinture. Ah, mais attends, les froufrous ils sont rangés à l'intérieur. Ah, c'est bon. Ah, mais... Du coup, ça donne ça. Donc, le haut jaune. Avec des froufrous et avec le bas. Tada! Très jolie la couleur par contre. Donc il n'y a plus qu'à l'essayer et à défiler. Voilà pour le défilé de Léane avec ce joli maillot de bain jaune. Je suis fan de la couleur, vraiment, elle est très très jolie. Et puis bah, le maillot de bain lui-même est très joli aussi, avec les petits froufrous et tout. Donc je valide ce maillot de bain, et toi? Oui, bien sûr. Ok, donc on va pouvoir passer au petit dernier que Léane avait envie de réserver pour la fin, avec du coup le fameux Pareo. Et du coup le maillot de bain, ouais, c'est le même que le vert, pas le premier maillot de bain que j'ai essayé quoi. Ouais voilà, mais parce qu'en fait t'as hésité, c'est ça? Et ouais, du coup les deux quoi. Du coup elle a pris les deux comme ça, c'est bon, il n'y a plus d'hésitation, plus besoin de réfléchir. Du coup, parce qu'il est aussi canon en bleu, donc voilà, regardez comme vous pouvez le voir, c'est vraiment bien le même que le vert au début, mais en bleu, puisqu'on retrouve bien du coup le short et tout. Et du coup tu le feras en deux défilés aussi ou pas, pour montrer d'abord le maillot de bain et après avec le Pareo? Ok. J'ai hâte de voir, c'est avec le Pareo parce que il est trop beau. Donc c'est parti pour l'essayage et les défilés. Thank you.
Donc voilà pour le dernier défilé de Léane. Donc moi j'adore, puisque comme c'est comme le premier en vert, bah j'aime toujours du coup autant, puisqu'il est toujours aussi joli mais en bleu du coup. Et puis après avec le pareo, il est magnifique. Bon, bien sûr, le pareo, je pense ça va encore mieux quand c'est des maillots de bain, bah, genre la culotte c'est vraiment culotte et pas shorty. Donc bon voilà, mais c'est pas pour ça que là ça faisait moche, puisque ça faisait très joli aussi et il est très beau. Donc tu valides le maillot? Oui, bien sûr. Le pareo? Ouais, il est canon. Ouais, moi aussi je valide les deux parce que c'est juste canon. Et du coup là on va passer à moi, bien sûr comme j'ai dit au début de la vidéo, je ne les essaye pas puisque je me sens pas encore capable de vous les montrer sur mon corps. Donc je vais vous les montrer comme ça, mais bien sûr je vais quand même vous les détailler parce que voilà, vous voyez quand même comment ils sont. Donc j'ai pris un une pièce et un deux pièces. Donc je vais commencer par le une pièce. Donc j'ai pris là. Donc j'ai pris un comme ça, donc il a que une bretelle qui a des froufrous, et sinon après au milieu il a une ceinture ovale comme ceci, donc je pense que vous la voyez. Et du coup derrière vous avez le dos qui est ouvert, mais il y a quand même une petite fermeture là, voilà, comme Léane est en train de vous montrer, mais du coup vous avez le dos ouvert quand même, donc c'est très très joli. Et voilà, du coup je pense que là vous le voyez bien. Voilà du coup pour le maillot de bain une pièce que j'ai choisi. Et du coup le deux pièces, c'est le même que Léane elle a. C'est un des noirs, mais je pense, enfin vous allez peut-être le reconnaître parce que bon, parmi tous les noirs qu'elle a pris, voilà, mais vous savez c'est celui-là où là il y a une fermeture en or ici. Et du coup bon, il est simple mais j'aime bien parce que du coup là il est en blanc, donc je pense que ça va bien sortir sur moi vu que je suis brune, j'ai les cheveux noirs, avec un maillot de bain blanc comme ça je pense que ça peut faire joli. Donc voilà le deuxième maillot de bain que j'ai choisi chez Shane. Donc du coup comme d'habitude, franchement là ce try on haul j'ai adoré comme d'hab, parce que globalement les maillots de bain, même s'il y en avait un ou deux qui étaient un peu trop grands, franchement on s'en fiche parce qu'ils étaient canons, il n'y en a pas un qui était moche, puisque après ça se peut qu'on soit déçu en vrai, mais là on a été déçu de aucun maillot de bain, enfin toi, puisque c'est surtout non. Globalement toi qui a eu tous les maillots de bain, t'es pas déçu? Non, pas du tout. Ouais. Non, franchement ils étaient tous canons, donc super strain haul. Et comme d'habitude bah, y a le lien déjà de Shane en description, ainsi que les liens de tous les maillots de bain que vous avez vus dans cette vidéo, au cas où vous avez flashé sur un des maillots de bain ou plusieurs, parce que bon franchement là avec tous les maillots de bain qu'il y a eu, je pense que vous avez pas craqué que sur un maillot de bain, c'est impossible. Donc voilà, il y a les liens en description comme d'habitude. Et comme d'habitude, on a toujours notre code promo qui est toujours le même, donc il est en description, vous pouvez toujours l'utiliser, il est toujours valable, donc n'hésitez pas hein, du coup. Et comme d'habitude, on espère que ce try-on haul vous a plu, puisque nous, on a adoré, comme d'hab. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, et vous pouvez partager notre chaîne sur vos réseaux sociaux. À bientôt !